Et tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul Shein. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de haul Shein vraiment dédié. Bah là c'est parti, j'ai trouvé vraiment de belles pépites, j'ai pris des vêtements aussi pour mes voisins, j'ai pris des vêtements aussi pour leur petite fille. Je leur ai déjà donné donc vous les verrez pas dans la vidéo mais je vous mettrai les liens en description. J'ai pris beaucoup de robes de soirée parce que là j'ai envie de sortir en boîte. J'ai pris des jupes, j'ai pris des ensembles, j'ai pris des... Il y avait vraiment une jupe qui était trop mignonne que vous avez bien kiffé dans mes stories Insta, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram, hein. C'est Elisa BRTOff et vous avez été nombreux à me demander voilà, d'où elle venait. Et donc bref, je vais vous montrer tout ça, je pense que ça peut vous plaire. J'ai aussi un code promo qui s'affichera juste là. N'hésitez pas à regarder en description, vous avez le code promo, les liens en barre d'informations. Et écoutez, c'est parti. Alors, on va commencer par la jupe qui vous a beaucoup plu. C'est une jupe pleurée comme ceci, vraiment trop mignonne. Elle a une petite fente sur le côté. Elle est vraiment trop chou. Je l'ai portée, vous avez trop kiffé. Donc voilà, coûte vraiment pas très cher, elle est vraiment de bonne qualité. Ensuite j'ai pris un petit haut, c'est la première fois que je teste ce genre de haut sur Shein, en effet un petit peu satin. La qualité elle est vraiment top je trouve. En plus on peut l'accrocher dans le dos, enfin le nœud dans le dos, donc au moins c'est bien maintenu, ça baille pas. Donc ça c'est vraiment cool et tu peux régler les bretelles. Donc vraiment c'est un trop joli haut, il existe en plusieurs couleurs avec un ensemble blanc. Ça fait super joli, donc l'ensemble blanc... il est beaucoup trop grand pour moi, j'ai pris en taille 38 en même temps. Les ensembles sur Shein, moi je prends toujours une taille en dessous. Quoique non, j'ai pris en taille 36. Bah écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aime pas les épaulettes. Donc ça, je vais les enlever. Je déteste à chaque fois les épaulettes sur toutes les vestes. Mais je trouve que la qualité est vraiment plutôt pas mal. Il y a le pantalon qui va avec. Le pantalon est en style un peu pas de def. Après, il est beaucoup trop grand pour moi. Moi, j'ai une taille super fine, genre vraiment très fine. Donc à chaque fois, il faut que je fasse des pinces tout simplement dans tous mes pantalons. Donc voilà, très bel ensemble. Moi j'adore ce genre de costume et tout. Mais dommage qu'ils soient un petit peu grands. La veste c'est pas grave, le pantalon faut juste le recoudre un petit peu. Ensuite, je me suis pris une robe marron avec un style un peu bohème. Il y a une petite chaîne en plus, trop mignonne. Moi j'adore les chaînes, hein. J'en ai une au niveau de mon ventre là actuellement, elle est trop mignonne. Moi j'adore les chaînes, c'est une robe avec un tissu assez joli, c'est pas transparent. Il y a une petite chaîne trop sympathique et en plus c'est marron, moi j'adore le marron, je trouve ça va bien aux gens marron. Donc voilà pour la petite robe, en plus il y a une petite fente trop chou, donc ça je l'ai pris en taille 36, à chaque fois j'ai pris en taille 36 parce que toute la gamme sexy de Shein, je prends toujours une taille en dessous parce que c'est beaucoup trop large sinon au niveau des seins. Ensuite là on va partir sur les robes un peu de soirée, des bouts de ficelle dans le jargon. J'ai pris une robe avec un dos nu. Donc ça se noue derrière le cou et ça fait des petits zigzags. Moi j'adore ce genre de robe, je trouve ça trop bien. Donc en plus c'est facile à ranger. Voilà, ça se chiffonne pas, c'est super bien. La matière est excellente pour sortir en boîte et tout, pour sortir en soirée. Moi j'adore ce genre de robe. Très provocante! On aime ça, nous. Une autre robe, celle-ci, elle est trop choupie pour l'été. J'aime beaucoup le style, en fait, où on voit un petit peu le ventre. Il y a un petit, froufrou au niveau des seins. Du coup, soutif ou pas, bah, ça ne se voit pas. Vraiment, je suis trop contente de cette robe. Elle est trop mimi. Je pense que je vais me la prendre en plusieurs coloris. Ouais, franchement, trop chou. La couleur, elle est trop mignonne. Une petite veste ou autre. Franchement, trop beau avec des baskets ou des nu-pieds. Des talons. Genre, vraiment, ce genre de robe, on peut le mettre avec tout. Ensuite, j'ai pris une robe tailleur blanche. Alors, au début, c'était pour mon entretien. Pour mon master, sauf que j'avais mes règles. Du coup, robe blanche et les règles, plus la chaleur, on oublie. Sinon, trop belle robe. Peut-être un petit peu courte, je sais pas. Après, je suis grande, donc bon, voilà. Mais vraiment trop belle robe. Les épaulettes, ça me dérange pas, là, ça m'a pas choqué. Les boutons sont jolis, la qualité est vraiment bien. C'est vraiment une matière, vraiment costume de qualité. Donc ça, je suis trop contente. Ces genres de robes, bon, ça me dure très longtemps. Et pour tout ce qui est... entretien ou journée assez importante avec des talons de toutes les couleurs, on s'en bat les couilles. Franchement, c'est une très jolie robe, une très belle tenue qui fait très classe. Donc ça, vraiment, j'adore ce genre de... En fait, les robes blazer, j'adore parce que tu peux mettre avec tout. Pour continuer avec les robes un petit peu style soirée, j'ai pris cette robe-là qui se croise en fait. Le bleu est super beau, hein. Franchement, ça pète à la caméra, c'est un truc de fou, mais c'est la même couleur, vraiment. Elle est vraiment très bien, pas transparente, le tissu est vraiment bien. Ça se chiffonne pas, moi j'adore ce genre de robe qui ne se chiffonne pas. Ça n'attrape pas les poils non plus, c'est génial, j'adore. Donc vraiment, ce genre de robe, j'aime beaucoup, ça coûte pas très cher non plus. Donc voilà, j'ai fait mon stock de robes pour les boîtes de nuit prince.
Mais il fait plein de conneries. Ensuite, une autre robe. Alors, la couleur, je sais pas si ça me va. Peut-être bronzé, ça irait peut-être mieux. En même temps, bronzé, ça irait sur toutes les tenues. Mais c'est une robe, en fait, avec une jupe. Donc, au moins, tu peux séparer les deux si tu veux ne pas t'assortir. Donc, c'est avec une jupe avec des petites fronces et tout. Je trouve ça trop mignon. Et ce haut-là, j'adore ce style de haut, en fait. Avec un décolleté sur le milieu. Pour les petites poitrines, c'est vraiment bien parce que ça met bien en valeur. C'est vraiment super joli. Par contre, je l'ai pris en taille 36. Si vous faites du 36 mais que vous faites un C ou un bonbon B, prenez la taille au-dessus parce que ça vous va être trop serré ou alors ça va être trop court en fait en dessous. Très belle matière. Ensuite, ça c'est dommage parce que je l'ai pas repassé. En même temps, je l'ai pas lavé encore. Mais c'est une robe verte. Elle est trop belle, genre la couleur, elle est trop jolie. Ça se noue dans le dos, donc encore une fois, c'est bien maintenu, t'es bien à l'aise, etc. Très très fluide, elle est pas transparente. J'adore la dentelle au niveau des seins, je trouve ça trop beau. Donc ça, vraiment trop belle robe. J'aime beaucoup trop. Le vert est vraiment sublime. Ensuite, je me suis pris cet ensemble-là qui est vraiment joli. On dirait un peu une matière style lin. J'aime beaucoup trop. Avec un petit t-shirt comme ça, crop top, blanc, avec une petite ceinture de... comme ça, là, bijoux, j'aime trop. Des petites sandales et hop, c'est bon, t'es paré pour la journée. Moi, j'aime beaucoup trop. Là, j'ai rendez-vous à 16h30 juste après, là. Et je vais y aller comme ça parce que j'aime trop. On est à l'aise. Il fait ni trop chaud ni trop froid dehors. Et avec ça, franchement, on est très très bien. Donc franchement, j'aime beaucoup cet ensemble-là. Je voulais mettre ça aussi au début pour l'entretien de master. Mais tout le monde m'a dit, Elisa, t'es pas en vacances. Elisa, c'est ton avenir qui est en jeu. Tu vas me prendre un costume. Du coup, je suis allée en costume. Ensuite, je me suis pris une robe rouge. Alors, la robe rouge... ouais, elle ressort exactement pareil à la caméra. Genre vraiment, elle est rouge, mais rouge! Avec un super beau décolleté. Donc ça se présente comme ça. Elle est trop belle. Genre encore le décolleté, vous savez, comme j'aime bien. On voit aussi au niveau de mes abdos. C'est vraiment un de mes points forts, les abdos. Et ma taille avec mes hanches. Et avec le décolleté au niveau des seins, bah, ça rajoute encore plus de côté sexy. Et j'aime beaucoup trop cette... Après, elle est un petit peu courte. Elle est un petit peu courte quand même. Hein. Je la mettrai pas dans certains endroits. Mais elle est très très belle. Les derniers objets que j'ai pris sur Shein. Donc déjà, j'ai pris des LED. J'en vois partout des LED sur Shein. Ça, c'était les mieux notés. J'aimerais bien mettre des LED en fait dans mon salon ou dans mon bureau. Ou dans partout en fait. Je veux des LED de partout. Et ça, c'était plutôt pas mal. Ça se branche en USB, donc j'ai hâte de pouvoir les installer, parce que ça c'est... ouais, je veux des LED. Et l'objet de décoration que j'ai pris, très très bien emballé d'ailleurs, c'est un petit bonhomme assis en tailleur, noir, il existe en blanc aussi. Vous pouvez mettre une petite plante là-dedans, et je trouve ça trop beau, ça ira super bien dans mon intérieur. Donc voilà, ouais, ils font pas mal aussi d'objets déco, donc n'hésitez pas à regarder dans l'onglet maison, parce que vraiment ils font de très belles décorations, et pas très cher. Prince ! J'en peux plus. Donc bah écoutez, voilà pour ce que j'ai trouvé à Shein. Comme je vous dis, j'ai pris des choses pour mes voisins, pour leur faire un petit peu plaisir. Donc voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas mon code promo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est l'article que vous préférez. Alors oui, il y a beaucoup de robes de soirée et tout, je sais. Mais moi j'adore ça, je trouve ça trop beau. Et pour moi, c'est leur point fort, les robes de soirée sur Shein, parce qu'elles sont vraiment pas chères et elles sont vraiment de bonne qualité. Enfin moi, j'en ai depuis 2 ans. Je peux vous dire que j'ai transpiré là-dedans, ça tient toujours quoi, vraiment c'est super bien. Et moi ma pièce préférée pour moi c'est la jupe. La jupe elle est vraiment trop mimi, tu peux mettre ça avec tout, c'est hyper estival, c'est vraiment trop beau. Donc ça je la reprendrai en plusieurs coloris donc voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.